Allô Sandrine, comment allez-vous? Comment ça va, tes nouvelles fonctions comme coordonnatrice à l'international au Cégep aux Appalaches? Et ça va super bien. Très très bien, comme on dit. Ah, ben, comme on dit ici. Donc, très contente de collaborer avec toi, en tout cas, puis toute l'équipe. Ça fait très longtemps qu'on s'était vu à l'île de la Réunion. Absolument, puis on est content que tu sois avec nous au Cégep aux Appalaches maintenant. Hey, salut Pierre-Olivier! Salut Gaëtan, salut Sandrine, ça va bien? Oui, ça va et toi? Oui, super! Où tu vas rapidement comme ça? Oui, ben, je m'en allais faire un autre des ateliers que je donne aux étudiants réunionnais. Aujourd'hui, on s'occupe des vêtements d'hiver. Fait que je vais leur montrer comment bien s'équiper. Il est un vrai papa poule, toi, là! C'est bon! Hey, bonne journée! Bonne journée! Bye. Elle est là! On se sent pas mal! Eh ben la mission est en train de mon équipe football, moi là! Bah, il faut couler là donc! Bah, il fait deux mois, on arrive en août 2018. En quelle technique couler? Bah, mélange technique d'éducation spécialisée. Ah, bah, comme moi-même alors! Ah, ok! Ça a bien se passé, t'arrivais? Oui, mais franchement, depuis la réunion, on a été bien accueillis. Il y a une personne là qui prend nous la réunion, on amène nous directement à notre appartement ici. Ah, bah, bon, comme nous-mêmes alors! Ok! Okay. Ah ben il est normal, il est pas bien habillé pour l'automne, gars. Ah, bon? Ah ben oui, gars, la qualité de l'automne, gars, comment il est habillé, man. Le manteau, les gants, la tuque, il est important, gars. Ah, c'est connu, l'hiver, là, moins 30, ça arrive, ça. Non. Ça arrive pour toi, ça, il faut pas que tu t'habilles comme ça. Faut que tu mettes des bonnes bottes, faut que tu mettes une bonne tuque, un gros manteau d'hiver et des plus gros gants. Parce que là, sinon, tu vas avoir vraiment froid. Et quand t'es bien habillé en hiver, c'est là que tu passes un bon hiver. Ouais, mais on fait quoi en hiver ici? En hiver, qu'est-ce qu'on fait? On fait plein de trucs, mec. On fait du patin. Ouais. Il y a des arénas, plein d'arénas et tout. Tu peux aller gratuitement. Tu vas juste amener tes patins. Okay. Tu vas pouvoir avoir aussi du ski. Il y a un centre de ski alors à la ville de Saint-Georges. Et ils te prêtent des skis, tu peux les louer. Okay. Et t'as même, tu peux jouer du hockey aussi. D'accord. Et si tu veux, tu peux même rentrer dans des équipes. D'accord. C'est ça. Bon, mec, je dois te laisser. J'ai un rendez-vous. Oh. Tu sais comment c'est la vie étudiante. Okay. Allez, bye, mec. Bye. Hé, hey, comment est-ce que fait? Hé, hey, Adèle, oui, un peu, tranquille. Ah, même. Ah, bon, là, même. Qu'est-ce que vous faites un peu? Travail. Oui, bon, bah, bonne chance pour vous. Ouais, bon, merci. Allez, bye-bye. Bye. À toi, salut. Sinon, comment ça se passe un petit peu la première année? Bah écoute, ma première année, super quoi, il y a du travail à rendre, donc les délais sont assez stricts. Mm-hmm. Et bah, en plus, il faut une moyenne de 60% ici, mais franchement, no stress quoi, parce que les profs sont disponibles dès qu'on a besoin, si on a un petit souci, on est bien encadré, il y a des centres d'aide. Et en plus, je suis super motivée parce que, tu sais, avant de commencer le cégep, on m'a proposé un travail dans mon domaine d'éducation spécialisée. Donc je sais que quand j'ai fini mon diplôme, eh ben, je trouve un boulot. Et toi, ça fait quelques temps que t'es là? Ben oui, troisième année en conseil gestion, on a la possibilité de s'impliquer ici. Il n'y a pas que de la théorie, j'ai fait une mini-entreprise, j'ai fait les choses réellement, vraiment beaucoup de pratiques. Puis en plus de ça, ben, j'ai pu m'impliquer aussi au niveau du socioculturel, etc. Donc c'était vraiment bien. Ouais. C'est bien ça. Ah, et ben quoi faire, Juan? Et ben alors hein? C'est quoi ça? C'est une poutine. Tu connais pas? Non, il y a quoi là-dedans? Et ben il y a des frites, du fromage et de la sauce. Mmh, ça a l'air beau. Ben, et Juan, tu manges à cette heure-ci? Ben oui, ici, les Québécois, ils mangent 16h, des fois 17h. Ah ouais? Aussi, allez, hop. Ce qui est fun ici, c'est que genre au Cégep aux Appalaches, il y a vraiment beaucoup beaucoup de sport. Tu peux faire ce que tu veux, il y a tellement de disciplines que genre tu t'es pas mis dans tout ce que tu fais. Bah genre moi je fais l'éveil crossfit aussi, il y a une salle de musculation qu'on fait avec le basket, franchement c'est vraiment top. Tu aimes entreprendre des projets? La preuve, tu envisages étudier au Québec. Tu vises excellence? Toute notre équipe est là pour te guider. Tu es ouvert sur le monde? Il te reste plus qu'à prendre un rendez-vous avec un représentant du Cégep aux Appalaches en novembre. Alors, on t'attend. Six heures de soldats.